Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va tester l'Apple Watch série 3, la toute dernière version de la montre d'Apple. Copier-coller de la série 2, elle-même ressemblante à la série 1, le form factor de cette montre ne change pas. Apple reste sur cette base carrée avec le capteur cardio-fréquence-mètre rond à l'arrière de cette montre. Après discussion avec un vendeur de chez Apple, je suis parti sur la version 38mm, taille qui convient parfaitement à mon petit poignet. J'ai donc acheté la Watch série 3 Nike Plus avec son boîtier en aluminium et son bracelet en fluoro-élastomère noir. Lorsque l'on ouvre la boîte, on ne tombe pas directement sur la montre, mais sur les feuillets d'informations concernant le fonctionnement de cette montre. Si vous achetez comme moi la série Nike Plus, une annotation différente est présente sur la boîte blanche. Il est écrit « Designed for athletes by Apple and Nike ». Attention à ne pas jeter ces feuillets car ils contiennent un autre bracelet de taille ML si vous avez un poignet trop grand par rapport au bracelet fourni de base de taille SM. Voici donc les feuillets d'information avec le fonctionnement du boîtier, le fonctionnement des boutons et le mode de chargement de la montre. En dessous de ces feuillets, on retrouve les mêmes bracelets que celui monté sur la montre, mais en taille ML. Rien à dire sur la qualité de construction de l'ensemble, on est devant un produit paumé et ça se voit. La légère courbure du cadran écran lui permet de se fondre facilement dans le boîtier en aluminium du modèle que nous testons. La petite excroissance qui arbitre le cardio-fréquence-mètre gêne pas du tout, même si elle ajoute un soupçon d'embonpoint à une montre que l'on pourrait déjà trouver encombrante avec son 1,5 cm d'épaisseur. En dessous de ce fameux boîtier blanc, on retrouve la montre avec le bracelet de taille SM et en dessous de la montre se trouvent les accessoires de chargement, à savoir l'adaptateur secteur ainsi que le câble magnétique. Apple n'ayant pas encore introduit une nouvelle technologie de batterie ni réussi à défier les lois de la physique, la Watch 3 embarque la même batterie de 250 mAh que la génération précédente. Hors 4G, l'autonomie ne varie d'ailleurs pas beaucoup non plus. Pour peu que vous ne soyez pas inondé de centaines de notifications toute la journée, la série 3 devrait largement tenir deux bonnes journées à votre poignet. De quoi avoir une certaine sérénité d'esprit si l'on oublie le soir de la mettre sur son petit socle. C'est honorable par rapport à la moyenne actuelle. Une fois la configuration terminée, la montre vous propose de sécuriser votre watch avec un code de sécurité à 4 ou 6 chiffres. La watch accrochée à votre poignet vous permet de déverrouiller votre Mac sans taper votre mot de passe. Cela ne fonctionne que si votre watch est déverrouillée et attachée à votre poignet. Au niveau des prix, le modèle de base en 38mm est vendu à partir de 369€, 399€ en 42mm et il faut ajouter 80€ pour le modèle 4G à partir de 449€ en 38mm et de 479€ en 42mm. Selon les bracelets et les finitions, les prix peuvent grimper jusqu'à 1499€.